Ils sont un peu plus de 80 agents humanitaires qui accompagnent ce convoi à destination des localités de Betou, d'Imfondo, de Dongou, en passant par Epe, Naeniele, Liranga, Boaniele, Bokuma, jusqu'à Lukolela, Mosaka et Makotipoko. Pour assister au départ du convoi, membres du gouvernement, ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des agences du système des Nations Unies, parlementaires et responsables d'ONG, tous autour du Premier ministre, chef du gouvernement, sont allés traduire leur solidarité aux victimes des populations de ces localités après une première mission de prospection et d'évaluation des besoins. Lorsqu'il a fini de faire le tour du bateau et de ses barges avec toute la délégation qui l'accompagnait, le chef du gouvernement a procédé au lancement du convoi à travers ce geste symbolique. Le président de la République avait appelé le gouvernement à se mobiliser et à mobiliser des partenariats pour parvenir à une action humanitaire de grande envergure. Un plan d'urgence avait été mis en place et au Conseil de ministres dernier, il avait aussi été retenu que très vite, cette action humanitaire soit déployée. Le gouvernement a procédé par une mission de prospection. Nous avons reçu le retour des populations. On a évalué leurs besoins. Et avec l'aide de l'ensemble des partenaires que nous remercions, publics comme privés, nationaux comme étrangers, les partenaires au développement, partenaires bilatéraux comme multilatéraux, nous avons essayé de mobiliser cette grande quantité de vivres et de non-vivres que nous mettons à la disposition des populations riveraines du fleuve dès maintenant. C'est un convoi humanitaire composé de vivres et de non-vivres, de médicaments et de kits scolaires mis à la disposition de ces populations. Ça ne s'arrête pas aux populations riveraines du fleuve. La catastrophe liée aux inondations, aux intempéries de ces derniers temps a touché pratiquement toutes les localités. Donc, comme nous l'avons fait l'année dernière, cette année aussi, c'est une grande caravane qui va se déployer sur toute l'étendue du territoire pour que les populations soient davantage convaincues que l'État ne les abandonnera jamais à leur triste sort, qu'en toutes circonstances, le gouvernement sera à leur côté. Telles sont les instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République. Après l'axe fluvial prévu pour une vingtaine de jours, ce sera le tour de l'axe terrestre.